Salut tout le monde! J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. En tout cas, bienvenue sur YouTube pour ceux qui sont en train de se connecter. Laissez-moi des petits pouces, un commentaire. Alors, le chat est ouvert normalement. Et puis, pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay, eh bien, n'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'essaye à chaque fois d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que je n'ai pas spécialement vu ou eu la notification. Mais en général, je réponds à tout le monde. Alors, pour les gens qui sont en train de se connecter sur YouTube, aujourd'hui, vous prenez votre step, vous enfilez vos baskets. Et si vous n'avez pas de step, pas de souci. Les exercices pourront être réalisés aussi sans le step. On aura une partie échauffement, une petite partie chorégraphiée. Et surtout, on aura aussi des exercices de renforcement musculaire pour quadriceps et sangle abdominale. Si jamais vous avez un tapis et que vous préférez faire les exercices pour la sangle abdominale avec les mains posées sur le tapis, bien entendu, vous pouvez aussi prendre votre tapis. Donc, pour tous ceux qui ont envie de retrouver la forme, tous ceux qui ont envie de se faire du bien, de préserver leur santé, parce que moi, j'ai vraiment à cœur de travailler en préservant la santé de mes pratiquants, eh bien, nous allons pouvoir commencer. C'est quand même le but aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me découvrent, je suis donc Manolita, je suis coach sportive diplômée d'État depuis plus de 21 ans et ravie de partager avec vous de nombreuses séances que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Coach Mano. Vous avez accès à des vidéos de step, des vidéos plutôt de HIIT, des vidéos de yoga Lattès, des vidéos de stretching et de renforcement musculaire. Je suis aussi la créatrice du programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. Alors, après la vidéo, je mettrai dans la description, sous la vidéo, le lien qui vous permettra d'accéder au programme, ou plutôt déjà aux deux séances offertes du programme, qui vous permettra de vous rendre compte que à tout âge, pour répondre à Karl, à tout âge, tout est possible. En fait, vouloir prendre de la masse, pourquoi pas? Mais moi, ce que je trouve important, c'est de travailler sur le cardio et sur tout ce qui est muscle profond, parce que pour perdre un peu de ventre, parce que je sais que parmi vous, il y en a, c'est vraiment leur objectif, pour perdre le ventre, il faut faire du cardio et le HIIT est vraiment top pour ça. Je vous invite à, donc après la vidéo, à cliquer, ou alors en allant sur une autre de mes vidéos dans YouTube, à cliquer sur le lien qui vous permettra d'accéder au programme et aussi aux deux vidéos gratuites. Alors, je vais remettre la musique au début. Et là, pour commencer, vous allez vous placer avec les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Vous déverrouillez vos genoux, vous faites une petite flexion. Ok, marchez. Déroulez vos chevilles, servez-vous de vos bras, soyez fiers et dynamiques. Ok, lorsque vous marchez, cherchez à vous grandir de votre coccyx jusqu'au sommet de votre crâne. Servez-vous de vos bras. Encore. On essaie de bien dérouler les chevilles en montant un peu plus les genoux. Parfait. N'allez pas jusqu'à l'extension complète de vos genoux pour préserver simplement vos articulations. Continuez de marcher, les jambes écartées. On déroule à nouveau bien les chevilles, soulevez vos talons et vos orteils. Les genoux sont dirigés vers les pointes de pied. On descendra un peu plus les fesses à la prochaine série. Reprenez pieds serrés. Hop. Allez. Et si chez vous, vous avez envie de danser ou de partager la séance avec votre compagnon, votre compagne, eh bien, il est ou elle est le bienvenu. Jambes écartées. On descend un peu plus les fesses. Et si vous avez envie d'inviter des amis sur Facebook à vous rejoindre sur le groupe Team Mano avec Team Mano avec Coach Mano, c'est aussi bien, ils seront aussi les bienvenus. Tapez au sol avec les pointes de pied. Au passage au milieu, vos talons sont bien ancrés sur le sol. Ok. Essayez de rapprocher un peu plus les omoplates. Parfait. Un bras à l'autre devant. Bras gauche, puis droit. On maintient le cou allongé. Vos genoux sont toujours pliés vers l'extérieur. Parfait. 4, 3, 2. Relâchez un peu les bras, talons fesses. Ok, vos bras.
Allez, le genou vers l'extérieur. Allongez le cou, serrez vos omoplates. 4, 3. Plus vous amenez le genou vers l'extérieur, plus vous allez mobiliser les hanches. Tapez au sol, en haut, en haut. Pliez les coudes et les genoux en même temps. Allez, allez, c'est super. 4, 3, 2. Reprenons, genoux alternés. Step, knee up. Hop. Encore, on pose bien les pieds à plat. Parfait. 4, 3, 2. Marchez, jambes écartées. Allez, on descend. Allez, super. On fait chauffer les cuisses. Continuez d'allonger votre dos. 4, 3, 2, resserrez les pieds, marchez. Déroulez vos chevilles. Alors, vérifiez si vous avez votre stade, j'ai oublié de vous le dire, qu'il est bien stable. Bah oui, ce serait dommage que vous glissiez pendant la séance. Tapez devant les clés pointes. Droite et gauche. Si vous n'avez pas le step, vous continuez de taper sans le step. Pointe, pointe, hop. Encore 4, 3, 2, jambes écartées. Pointe à droite et à gauche. Ok. Allez, on maintient son buste droit. 4, 3, nous allons reprendre en marchant sur place. 5, 6, 7, marchez. Ok. Alors pour ceux qui ont le step, nous allons monter sur le step et taper avec la pointe. On alternera droite et gauche. Pour ceux qui n'ont pas le step, vous alternerez droite et gauche aussi, comme si vous aviez un step. Avance et tape. Avance, tape. Allez. Continuez. Vous pouvez imaginer en fait un step plus bas pour ceux qui n'en ont pas. Continuez, frappez dans les mains. Monte. Monte, tape. Et essayez de frapper dans les mains au moment où vous tapez avec la pointe. 4, 3, 2. Au lieu de taper, talons, fesses. On pose toujours le pied à plat, au sol ou sur le step. On avance le pied droit. Je suis en effet en miroir avec vous. Ici, c'est le pied droit. Ici, c'est le pied gauche. 4, 3, 2. Montez votre genou. Pose, lève. C'est bien la cuisse qui monte vers le ventre et non pas les épaules qui s'enroulent ou le dos. On se grandit. Encore. 4, 3, 2, on reprend en tapant. Ça s'appelle tape-up. Monte, tape. 1. Jusque-là, je pense que tout se passe bien chez vous. Si jamais vous avez un doute, si vous avez des questions, je prendrai le temps à la fin de la séance d'y répondre. Talons, fesses. Si c'est en relation avec les exercices, faites ce que vous pouvez faire à votre rythme. C'est le plus important. Le talon droit va à la fesse droite et le talon gauche va à la fesse gauche. Montez maintenant le genou. Hop, knee up. Pose, lève. Énergique. À la hauteur qui vous convient. 4, 3. À la place de lever le genou, vous levez la jambe tendue derrière vous. Pose, lève, leg back. Au moment où on lève la jambe, on engage son périnée, muscle entre le pubis et le coccyx, et on souffle en serrant les abdos. On les contracte volontairement, encore 8 fois. Hop. Imaginez ici, je viens avec une ceinture, vous serrez un peu plus la taille. Et bien, vous contractez les abdos. Hop. Encore une fois de chaque côté. Reprenons ensemble. Tap up. Non. Avec ou sans le step, on continue. Hop. Allez, super. Encore 4. 3. Nous allons monter et descendre du step en marchant. 4, 3, 2, on y va. On monte et on descend. Si on n'a pas de step, on avance et on revient à sa place. Ok, encore. 3, 2. Dernier, on reprend. Tap up. Monte. Allez, cette séance est plus dirigée pour le step, pour des débutants qui découvrent. Encore 4, 3, 2, on va monter sur le step en commençant par le pied gauche. Monte, descend, si vous
n'avez pas de step, vous avancez, vous revenez à votre place. Toujours dynamique, souple sur vos appuis. C'est un moment où vous avez soif. Ok, tapeur, c'est un moment où vous avez soif. Restez en tapeur, vous irez boire un coup quand vous le souhaitez. N'attendez pas que je vous le dise. Allez, allez, encore. Encore 4. Au lieu de monter avec les pieds serrés ou écartés à la largeur du bassin, ce sera jambes écartées. V à droite. Monte, descend, avance, reviens, devant, derrière. Ok. Et toujours avec le buste droit. Tap up. Monte, tap. Hop. Si vous n'avez pas de step, continuez d'alterner pied gauche, pied droit, en avançant, en tapant. Dernière fois, les retours. V à gauche. On écarte en montant ou en avançant. Et on revient à sa place. Vos pieds sont en entier sur le step. Les genoux vers l'extérieur. Encore. Tap up. Ok, restez en tap up. Pour le dernier pas, nous allons faire un basique en trottinant. Si vous ne pouvez pas trottiner, vous refaites en marchant. Dans 4, 3, 2, c'est parti. Ça fait, je monte et je descends en marchant. Pour ceux qui n'ont pas de step, j'avance en courant, je reviens en marchant. Encore. 3, 2, 1. Tap up. Encore. 8. Comme ça, ça laisse le temps à chacun d'entre vous de venir se replacer sur les tap up. On partira sur ce même pas, donc le jog, le run, avec le pied gauche sur le step. 4, 3, 2 maintenant. Gauche. Fléchissez toujours vos genoux, souple. Hop, hop. Redescendez bien en marchant ou reculez en marchant. Très bien. Tap up. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez chaud? Laissez-moi des petits pouces, prenez le temps d'aller boire. Et sur YouTube, un petit commentaire, plein de pouces. Allez, marchez. Ok, prenez le temps de boire un petit coup, nous allons pouvoir commencer la séance. Ok, alors j'en profite pour regarder vos commentaires. Le ventre, c'est mon cas, oui. Et sur Facebook, cool, on a des pouces, on a des petits commentaires, c'est parfait. Alors, vous marchez avec moi, on reprend, on est toujours en miroir. Ok, vous allez commencer avec le pied droit. Alors, je vais décaler un petit peu mon step, ce sera plus logique. Le pied droit sur le step, le pied gauche au sol. Vos jambes sont écartées, pointe de pied en ouverture. Alors, je vois qu'il y a des commentaires là sur YouTube. Ouais, je suis au top. Wouhou! Non, c'est cool. Alors, dans cette position, appuyez bien avec vos pieds à plat. Lorsque vous allez fléchir les genoux, ne laissez en aucun cas les genoux ou le bassin partir en avant. Si c'est le cas, vous descendez moins en appuyant un peu plus sur les talons. Vu du jeu, que vous ayez le step ou pas, on descend les mains en direction du sol et on remonte. En soufflant, en allongeant le dos. Vous pouvez tendre vos jambes, mais faites-le en contractant les muscles de vos cuisses. Si vous faites ça brutalement, vous allez arriver au niveau des butées des genoux et ça va faire mal. Donc on va voir ce premier exercice. Le deuxième, genou alterné, que vous pouvez aussi faire au sol. Et le troisième, position squat maintien. Et là, on viendra incliner le buste à droite et à gauche. Prêt? Quelques secondes encore. Vous avez le droit de danser, de bouger. 4, 3, 2, c'est parti. Là, pour le moment, restez. Comme ça, ça permet à tout le monde de se placer. Et puis après, je fais ce que je veux si j'ai envie de vous faire vous rester dans cette position. Vérifiez bien que vous appuyez sur les talons. Ok, on descend et on remonte. 8, 7, essayez au moment où vous commencez à remonter, d'engager votre périnée et de souffler en serrant ici la taille. Ok, restez. 8,
Et lève. On fait une série à cette vitesse. Et on va faire après une série plus lentement. Amenez bien les genoux vers l'extérieur. Ok. Dans 4, 3, 2, posez, restez. 8. Tout va bien? Wouhou! Allez, encore quelques secondes. On reprendra les genoux, mais deux fois plus lentement. Ça veut dire qu'on descend aussi un peu plus bas. C'est parti. Pliez, levez, pliez. Énergique. Ok. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tourner un peu plus les épaules vers la cuisse qui monte. Ok. Restez. Dernier exercice. Inclinaison latérale. Attention, la tête reste dégagée des épaules. Les quelques dernières secondes. N'oubliez pas de souffler. Et c'est parti. Incline. Reviens. Si c'est trop dur, vous savez que vous pouvez remonter un peu. Chacun le fait à son rythme, selon ses possibilités. Encore. 4, 3, 2, et marchez. Ok. Repartons avec notre step. Moi, je me recentre. Ok. Déroulez vos chevilles. On repart en tap-up. 4, 3, 2, tap-up alterné. Hop. Et bon, tap. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous avez la patate, que vous transpirez un peu. Ouais. Ok, montez 3 fois le même genou. 1, 2, 3, changez. 1, 2, 3, encore. À chaque fois que vous montez le genou, maintenez bien votre buste allongé. Encore. Vous avez vu cette jambe? Elle est toujours légèrement pliée. Serrez vos omoplates. Hop, hop, encore. Allez. Dernière fois ici. Montez maintenant 3 fois le talon vers la fesse. Pause, lève. Énergique. Et pause, monte, monte. Encore. Hop. Vous pouvez, si vous le souhaitez, frapper dans les mains au moment où vous marchez au sol. Encore. Hop, hop. Le pied tombe bien à plat. Vous pouvez chercher à vous grandir encore un peu plus. Dernière fois de chaque côté. Et nous allons repartir en basique. Basique, c'est je monte et je descends. Ou j'avance et je reviens à ma place. Allez. Énergique. Encore. 4. 3. Hop. Le dernier. Un tap-up. Un seul. Basique à gauche. Avancez. Revenez. Avec le step ou sans le step. Derrière. Devant. Encore 3 fois. 2. Un tap-up. Et V à droite. V, c'est jambes écartées. On revient en serrant les pieds. Ou en tout cas en les rapprochant. Encore. Vous avez pensé à vous grandir en serrant les abdos? Le dernier. Tap-up. V à gauche. Et monte. Descends. En haut. En bas. Les genoux vers l'extérieur. Dans la même direction que vos pointes de pied. Allez, allez, super. Le dernier. Tap-up. Et là, on court en montant sur le step. Ou sans le step. On avance en marchant, on recule en... on avance en courant, on recule en marchant. Oui, si en plus je dis des bêtises. Allez, abdos solides. Tap-up. À gauche. On monte. On descend. Ne tendez pas complètement vos genoux. Et posez les talons en redescendant. Encore 3. 2. Un seul tap-up et marchez. Si vous voulez aller voir un coup, profitez-en. Sinon, on va passer de l'autre côté. Vérifiez que votre step soit toujours stable. Alors, pour ceux qui n'ont pas de step, c'est la même série que tout à l'heure. Allez. Il faut vérifier quand même, hein. Prêt? Ok, restez. Allez, on maintient. Le premier exercice, vous en souvenez? On plie et on remonte les bras en expirant. Quand on commence à remonter, on essaie de contracter les fessiers, le périnée. C'est
Attention quand même à ne pas faire ce mouvement du bassin. On maintient le dos avec ses courbures naturelles. Inspire. Ok, restez en bas. Poussez bien les fesses vers l'arrière, les genoux vers l'extérieur. Allez, allez, super. Encore quelques instants et on enchaînera avec les montées de genoux de manière rapide. C'est parti. Hop, hop, hop. Peu importe le côté avec lequel vous allez commencer, même si nous ne sommes pas en total miroir, pas d'inquiétude. Comme je vous le disais, vous allez à votre rythme. Ok, restez en bas. On en profite pour bien vérifier qu'on appuie sur les talons en soulevant un peu les orteils, en poussant donc les fesses vers l'arrière, tête dégagée des épaules. Et lentement, pliez, levez, pliez, soufflez, inspire, ok, encore, 4, fesses vers l'arrière, 2, 1, restez en bas, allez, maintenez votre tête dans l'axe de votre colonne vertébrale, évitez de la tirer trop vers le haut, encore quelques instants, 4, 3, 2, inclinez, on plie bien les genoux, ok, faites ce que vous voulez de vos bras, ici vous serrez les abdos, vous serrez les côtes, 4, 3, 2, relâchez, allez, replacez votre tête, vous replacez vous tout court, pour préserver votre dos, évitez de vous pencher n'importe comment, hein. Ok, marchez. Rendez-vous les chevilles. Ok, nous allons repartir en tape-up alterné. 4, 3, 2 tape-up. Le buste droit. Si vous avez chaud, c'est parfait. Ok, encore. Nous repartirons comme tout à l'heure avec 3 genoux en commençant avec le pied gauche sur le step. 4, 3, 2, 3 genoux. Montez bien la cuisse, rapprochez-vous de vos plates, sans creuser bien entendu votre dos. Cherchez à vous grandir, imaginez, je vais vous tirer ici et là. Encore, pour ceux qui le souhaitent, entre le premier et le deuxième genou, et le troisième genou, vous pouvez faire 2 sauts en position fente. Ok, encore. On le refait 4 fois. Lève, pause, saute, saute, lève. Encore. Si vous voulez maintenir la base, vous continuez les 3 genoux. Allez, allez, c'est bien. Ok, 3 talons fesses. Hop, hop. Genoux fléchis, talons bien ancrés sur le step. Serrez les abdos. Hop. Allongez le dos. Encore. Levez 3 fois la jambe tendue derrière vous. On serre les fesses. Sans laisser partir le ventre vers l'avant. Pour ça, on contracte volontairement les abdos en soufflant. Encore. Hop. Encore 4 fois. Et 1, 2, 3. Allez. Dernière fois de chaque côté. Le dernier ici. On enchaîne. Top up alterné. Hop. Nous allons refaire une fois les basiques, les V et les runs. Vous êtes prêts? Nous commencerons avec le pied gauche sur le step ou juste en avant. C'est parti, basique à gauche. Hop, descend. Encore. Allez, on est bien dynamique au cycle du corps. Volontairement, je ne vous ai pas fait cet exercice avec des mouvements de bras, mais j'aurais pu. Top up. Basique à droite. Monte. Descends, genoux dans l'axe, inutile de les regarder, sauf juste une fois pour vérifier. Et après, vous imaginez, vous avez les yeux aux orteils, aux genoux, au bassin et aux épaules. Tap up, V à gauche, monte et descend. Avancez, revenez à votre place. Épaules basses, encore 3. Les talons bien au sol quand on descend. Le dernier tap up, V à droite,
devant, derrière, en haut, en bas. Ok, on avance et on revient. Il en reste 3, 2, souple sur les genoux. Ça peut courir avec le pied droit. Si vous ne pouvez pas courir, vous savez que vous marchez. Vous avancez, vous revenez à votre place. Encore. 3, 2, 1, top up. Même chose à droite. On avance, on revient. Les genoux restent dans l'axe. Si vous êtes plus en forme, levez un peu plus haut les talons. Encore 3, 2, 1, top up. Marchez, buvez un petit coup. Hydratez-vous avec une boisson, soit boisson détox, très peu sucrée ou pas sucrée. Après le sucre pendant la séance, ça ne va pas être gênant. Ou sinon, prenez simplement de l'eau et tout au long de la journée, hydratez-vous. Prochain exercice. Alors, le step toujours bien stable. Je vous montre un exercice, ne le faites pas tout de suite. Premier exercice. Position planche, on remonte et si on veut, en montant les talons et les pointes de pied. Quand on descend, on plie les genoux en allongeant le dos, on recule un pied après l'autre, on revient. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas lever les bras, vous montez sur demi-pointe, vous faites la base. On recule et on revient. Dans ce cas, que ce soit l'un ou l'autre, reculez bien un pied puis l'autre, pour essayer de travailler, de manière bien symétrique. Si parmi vous, il y en a qui sont au top de la forme, vous pouvez faire ça. Quand vous êtes là, alors je ne sais pas si on voit dans la caméra, mais quand vous êtes là, il faut bien reculer les talons. Attention, jamais de creux. On allonge le dos, on revient en sautant, et on monte ici. D'accord? Le deuxième exercice. Alors, deuxième exercice. On commence ici et on vient en planche. On recule les fesses et on vient en planche. Troisième exercice. Alors, vous pouvez le faire sans les têtes, hein, bien sûr. Position, chien tête en bas. On vient faire planche, chien tête en bas. On rapproche la main de sa cheville ou de sa jambe. Et à chaque fois, on essaie de se replacer en planche. Ouh, ça donne chaud tout ça. Prêt ? Vous pouvez enlever le step si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Ok. Pour vous placer, les épaules restent au-dessus de vos poignets. Il est préférable parce que plus vous allez reculer, plus vos pieds vont glisser. Et là, vous allez me dire, ah, Mano, ça glisse. Non, c'est parce que vos épaules ne sont pas suffisamment au-dessus de vos mains. Ok. On avance et on remonte. C'est parti. Allez. Ok, vous savez que vous pouvez ou pas lancer les bras, enfin lever les bras et lever les talons. Vous savez aussi que vous pouvez sauter en avançant, en revenant à votre place. Ok, continuez. Allez. Chacun le fait à son rythme. Attention, plus vous avez les fesses hautes, plus vous travaillez les bras, moins vous travaillez les abdos. Ici, quand on est en planche, on souffle en serrant les abdos sans enrouler. Ok, dernière fois. Et relâchez. Quelques instants pour souffler. Puis le deuxième exercice arrive. Attention. Reculez bien les genoux et les fesses. Ok, planche. Et on recule. Faut bien reculer vos pieds. De façon à ce que les épaules ne partent pas complètement en avant. Allez! Je vérifie que vous serrez bien les abdos et que vous n'êtes pas en train de mettre des commentaires. Allez! On souffle en allongeant la colonne vertébrale. On allonge le bas du dos en
quelques instants. Wouhou! Troisième et dernier exercice. Chien tête en bas. Planche. Quand on est en chien tête en bas, on essaye ici de rapprocher la main. C'est parti. Vous pouvez essayer de toucher plutôt le genou. Si pour vous c'est trop dur, d'aller monter les pieds, les fesses plus haut. Allez, wouhou! Pensez bien ici, je souffle, j'allonge le dos en reculant les talons. Les dernières secondes. Alors les dernières, ça peut être 10, hein. Encore! Je me suis arrêtée pour regarder si vous ne mettez pas de commentaires, mais si tout se passe bien. Allez, allez! Dernier. Et relâchez. Ok. Si vous avez chaud, c'est top. Vérifiez que votre step soit bien stable. Et ben moi, il ne veut plus, là. Oh, ben alors, Mano. Allez, on va essayer d'une autre façon. Ok, ça devrait le faire. Vous êtes allé voir un coup pendant ce temps que moi je réglais mon problème de step. Alors, on va repartir sur un exercice pour les jambes en alternant pour le moment des fentes. Juste pour information, les fentes, on peut les faire à cette hauteur. Pas de souci pour moi. Ce qui me pose un plus gros problème, c'est ça. Ah, non, pas ça. Ne laissez jamais partir vos genoux en avant de vos orteils. On plie ici. Et comme on va alterner, il faudra essayer de répartir le poids de votre corps sur vos deux jambes. Vous êtes prêts? Marchez. Si vous n'avez pas de step, c'est pareil. Allez, c'est parti. Pied droit, pied gauche. Soufflez en serrant vos abdos. Vous avez pensé à rester à la verticale? Ben oui, pourquoi vous penchez en avant? Allez, on continue. Vous voyez, je ne descends pas forcément très bas. Je peux y aller aussi, hein. Si vous, vous êtes en forme, aujourd'hui sur ce live ou en replay, faites-vous du bien. Laissez partir toutes les tensions. Oubliez tout, concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Et également sur votre respiration. Ne vous crispez pas ici. 4, 3, 2, je vous annonce qu'il en reste 8, 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2, wouhou! Vous êtes super! Vous avez le droit là de me mettre des petites flammes, des grimaces, des likes, le temps de boire un petit coup. Allez, allez, les petits pouces, les likes, les flammes, les commentaires. Je vous vois plus. Bah non, vous êtes quand même pas complètement HS. Allez. Deuxième série. Cette fois-ci, fente, genou. Fente, genou. On va rester sur un côté. Ça va? Allez, c'est parti. Fente. Fente. Élevez bien votre genou en étant grand. Pliez la jambe arrière. Ne laissez pas partir le genou en avant des orteils. Encore 8. 8. 7. 6. Gardez le genou dans l'axe. Tête également dans le prolongement de la colonne. Et 4. 3. 2, et relâchez. Deuxième jambe. Vous êtes sympa, hein? Vous ne mettez pas des grimaces, des tout, et des flammes. Bah ouais, j'attends, moi. Ah, génial, Kiki, c'est cool. Ça va, ça chauffe. Attention. Pli. Laissez partir. Descends, remonte,
Inspire. Allez, si vous avez compté, tout à l'heure, sur la première série avec la première jambe, il y en avait 16. Vous n'êtes pas obligé de compter, hein. Encore. 8. Serrez les omoplates. Serrez les abdos. Encore 4 fois, descend, remonte, reculez bien, inspire, souffle et relâchez. Buvez un petit coup et on repart pour nos 3 exercices pour la sangle abdominale. Vous en voulez encore? Ouais? Bah ouais, vous en voulez encore, vous n'êtes pas venu que pour faire l'échauffement. Allez. Vous vous souvenez du premier exercice? Si vous voulez, sans le step, le premier c'était planche, revenir en marchant ou en sautant. Prêt? Allez, on démarre de la planche, on recule bien les talons. On marche ou on saute. Ok. Vous avez pensé? Ici, reculez les talons et allongez votre cou. Dès que vous reculez les pieds, que vous soyez en train de marcher ou de sauter, ne relâchez jamais, jamais votre dos. Vous continuez, hein? Pour ne pas relâcher le dos. Hop! On contracte le périnée et le transverse. Encore quelques secondes. Sortez bien la tête des épaules. Ici. Et relâchez. Deuxième exercice. Genoux fléchis, on recule les fesses. Reculez bien les pieds. Ok, c'est parti. Ok, vous soufflez ici en allongeant, en reculant les talons. Vous sentez aussi le travail des quadriceps? Ouais, hein? Ok, la tête reste dans l'axe. On évite de la laisser tomber. On la remonte, ou plutôt on remonte le menton vers la colonne. Les dernières secondes. 4, 3, 2, dernière fois. Et relâchez. Dernier exercice. Chien tête en bas en essayant de rapprocher les mains des cuisses, des genoux, des chevilles. Prêt? Ok, c'est parti. Et planche. Allez, repoussez bien. Ici le sol, mais là aussi en orientant votre bassin le plus haut possible. Allez, vous allez bien continuer. Vous allez bien penser à souffler au moment de la planche, j'espère. Encore 8. Partir en avant. Hop, le bassin reste bien.
neutre et vous cherchez simplement à repousser le sol. Je suis sûre que de là à là, vous voyez la différence. Là, je cherche vraiment à me grandir alors que là, j'ai simplement les jambes pliées, je me tiens debout et là, je me tiens grande. Ok. Montez vos deux bras sur les côtés en inspirant. Soufflez. Fléchissez très légèrement les genoux. Continuez parce que ma musique ne fonctionne pas vraiment bien, donc on va pas laisser celle-ci, ça va pas le faire. Ça, c'était pas très très agréable comme musique, donc j'ai quand même envie d'être dans une ambiance avec vous plutôt sympa. Ok. Pour ceux qui connaissent un petit peu les séances, je vous ai déjà parlé de l'arbre boule. Donc là on fait un grand cercle de bras autour de soi et on souffle, on allonge encore un peu plus les bras en imaginant un arbre, ce que moi j'appelle l'arbre boule. Donc on repart avec les pieds rapprochés, inspirez. Et là vous visualisez cet arbre boule qui est encore un peu plus grand. Encore, inspirez. Allongez en soufflant grand cercle de bras. Descendez bien vos épaules. Dernière fois, inspirez. Allongez. Soufflez. Ok. Vous restez dans cette position, debout, tranquillement. Je réduis la musique. Ok. Vous allez maintenant croiser vos doigts juste devant vous. Les mains, en fait, elles sont juste devant la poitrine. Quand on est dans cette position, on inspire. Et cette fois-ci, on va plier les genoux. Laisser partir son bassin en rétroversion. Enroulez le haut du dos pour pouvoir pousser les mains en avant, toujours à peu près à la même hauteur que votre poitrine. Donc on inspire ici. Fléchissez les genoux, soufflez, enroulez le haut de votre dos jusqu'au bassin. Encore, inspirez. Les genoux se plient, on enroule le dos, le bassin. Imaginez, je viens vous chatouiller ici au niveau du sternum. Hop, je vous chatouille, vous vous reculez. Encore deux fois, inspirez, enroulez, soufflez, une dernière, et toujours avec le sourire, je le vois, et relâchez, ok, laissez les bras sur les côtés, concentrez-vous sur votre respiration et sur vos sensations. Si vous voulez, vous pouvez aussi placer une main plutôt sur le bas de votre ventre et une main un peu plus haut. Si vous souhaitez, fermez vos yeux, fermez aussi vos yeux. Donc on inspire dans cette position et on souffle, on sent ce qui se passe, un peu comme si votre ventre, c'était comme les vagues et donc vous sentez ce mouvement permanent. Lors de vos inspirations, le ventre gonfle un peu plus et lorsque vous expirez, vous sentez que votre ventre se creuse un peu plus ou en tout cas votre taille s'affine. Pour pouvoir encore mieux sentir ces sensations, alors sentir ces sensations, voilà, ce sont, vous allez inspirer ici, puis contracter votre périnée, donc muscle entre le pubis et le coccyx, hop, on contracte, ça fait remonter vos viscères, et du coup vous expirez en essayant ici d'imaginer que vos côtes se rapprochent, que votre taille se resserre encore. Contraction du périnée, expiration, on serre les côtes, on serre la taille. Décrispez-vous bien au niveau des épaules, allongez le cou. Imaginez ici, hop, le coccyx descend, mais sans enrouler le bassin. On ne passe pas à la rétroversion, on maintient un bassin neutre. On maintient les courbures, on cherche simplement à se grandir. Je suis sûre qu'à la fin de la séance, vous aurez gagné un centimètre. Et pour certains, il y en a qui aimeraient bien, je sais que parmi ceux qui nous regardaient, qui me suivaient ce matin, il y en a qui aimeraient bien gagner un centimètre. Allez, une dernière fois. Mais vous savez que tout ce qui est petit est joli, et tout ce qui est grand est élégant. Alors après, ok, relâchez les bras, replacez les deux bras sur les côtés en inspirant. Soufflez, restez. Descendez vos épaules, essayez de rapprocher vos omoplates. Encore, inspirez. Soufflez, restez. Dernière inspiration.
Soufflez, descendez. On refait une fois, on inspire. On souffle. Descendez les épaules, serrez les omoplates. Contractez le périnée, soufflez, grandissez-vous, serrez les côtes, serrez les abdos. Dernière fois, inspirez. Et relâchez. Alors, bravo à tous, déjà. Ça, c'est la première chose. J'espère que vous avez apprécié cette séance, que vous avez eu un peu chaud, un peu comme moi, ou peut-être plus, peut-être moins. On n'a pas tous les mêmes réactions face aux différentes séances. Et surtout, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Et quand je dis prenez soin de vous, c'est pas des paroles en l'air. C'est vraiment prenez soin de votre corps, prenez soin de votre intérieur. Prenez soin de votre tête, donc bougez bien, mangez bien et vivez bien. Ciao la team Mano et ciao à tous sur YouTube. Peut-être que Ingrid était connectée aussi, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas ou si tu fais la vidéo en replay, eh bien je te fais un petit coucou et passe une excellente journée aussi. Ciao à tous.